Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Une soirée qui avait mal tourné et abouti à la mort de Silvio Sorai. L'affaire est examinée devant les assises de Basse-Terre. Une pétition a été lancée hier soir par les Gilets jaunes de Guadeloupe. Nous écouterons l'une d'entre eux. Et enfin, la colère des salariés de Sicoa. Ils dénoncent des locaux insalubres et des conditions de travail dégradées. Un affrontement entre deux groupes lors d'une soirée en discothèque, c'est ce qui aurait causé la mort de Silvio Sorai. Les faits se sont produits en 2013, mais l'affaire est aujourd'hui relancée. Depuis lundi, elle est examinée devant la cour d'assises de Basse-Terre. Marius Mathieu a couvert pour nous le procès. Le procès du jour, eh bien, c'est la conclusion de cette terrible nuit du 29 mars 2013. Souvenez-vous, un jeune homme de 20 ans était décédé au gosier à la suite d'une bagarre dans un établissement de nuit. La soirée Nuit Spring Break, une sorte de piscine party à la Vague Rouge, un club aujourd'hui fermé, avait en effet viré au drame vers 3h du matin. Cette nuit-là, l'établissement est plein à craquer, la clientèle est sélecte, jeune, l'alcool coule à flot et soudainement, une altercation éclate entre plusieurs jeunes à la suite d'une simple bousculade. Selon les témoins de la scène, des bouteilles volent en éclats, des vigiles s'interposent entre les coups de poing et les coups de pied. C'est alors que Silvio Sorai, la victime, aurait sorti un couteau à cran, mais dans la rixe, il serait tombé. Et finalement, c'est lui qui sera frappé mortellement au dos. Pour l'avocat de la défense de l'accusé, c'est la légitime défense qui primerait lors de cet acte. Mais en fait, c'est un procès qui pose le problème de la légitime défense. Il s'agit d'un jeune homme qui, dans une boîte de nuit, est pris à partie dans un premier temps. Il faut savoir que de l'autre côté, ils étaient deux aussi. L'autre frère intervient et arrive à s'emparer du couteau que détenait l'agresseur initial et défend son frère et porte un seul coup, mais un coup qui fait mouche. Le couteau appartenait à la victime, il faut le savoir. Il s'agissait d'un cran d'arrêt, il était entré en boîte de nuit avec ce cran d'arrêt. Un frère qui tue l'agresseur de son frère, on imagine bien pourquoi l'avocat parle justement de légitime défense. Mais ce procès sert aussi à aller plus loin dans l'étude du cas de l'accusé. Rien dans le dossier n'indique une prédisposition à devenir un jour un meurtrier. On parle d'une enfance et d'une scolarité normale. Le bilan psychologique semble lui aussi normal. Le casier judiciaire, quant à lui, n'est pas vierge, mais pas non plus significatif. Conduite sans assurance, petite bagarre pour laquelle il sera condamné une première fois, seule une chose particulière a retenu l'attention, c'est le nombre de tatouages de l'accusé. Il en a précisément 32. Pour le jeune homme, il s'agit d'une retranscription de sa vie, de sa personnalité, de son style. Mais pour les experts, ces dessins gravés sur la peau symboliseraient l'expression de sa souffrance et de son profond mal-être. Aurait-il été impossible pour lui de contrôler sa charge émotionnelle lorsqu'il a vu son frère être attaqué? Il risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, à moins que la justice n'accorde à ce jeune cuisinier guadeloupéen une sanction plus clémente comme une seconde chance. Ils font moins de bruit qu'à Paris, mais ne sont pas absents pour autant. Il s'agit des Gilets jaunes. Ils étaient plusieurs à se mobiliser en Guadeloupe samedi dernier. Mais pour faire passer leur message, ils utilisent aussi Internet avec une pétition en ligne lancée lundi soir. Objectif, faire remonter les problématiques locales au sein du mouvement. On écoute tout de suite l'une des participantes. Mais est-ce que nous sommes citoyens? Est-ce que nous sommes considérés comme citoyens? Donc là, c'est sur ça qu'on est en train de se mobiliser. C'est l'une des explications. On veut, nous, Guadeloupéens, qu'on soit considérés comme des citoyens à part entière. Parce que nous sommes mécontents, nous coûtons la vie est trop chère en Guadeloupe. Nous avons trop de difficultés au niveau de l'eau, au niveau de tout ce qui est environnement, éducation, ce qui fait l'essence même de la société. Tout le monde est concerné, du bébé qui n'est pas encore né jusqu'à la personne âgée. Alors, par rapport à samedi, nous savons que tout le monde est de cœur avec nous. Maintenant, nous n'attendons plus le cœur. Là, nous attendons l'action. Et eux aussi sont en colère, mais pas pour les mêmes raisons. Les salariés de Sicoa, ils dénoncent des locaux insalubres, des conditions de travail dégradées, mais aussi un mauvais traitement des employés. Ils se mobilisaient aujourd'hui pour le deuxième jour consécutif. Grégoire Trutman est allé à leur rencontre.
C'est le deuxième jour de grève pour les salariés du bailleur social Sicoa. Ils interpellent la direction de l'entreprise et espèrent recueillir le soutien des locataires. Les agents de Sicoa sont en grève pour la simple et bonne raison que la direction a mis court aux négociations annuelles obligatoires de façon unilatérale. Et nous revendiquons aujourd'hui le respect des droits des salariés en termes de formation, en termes de respect aussi des conditions de travail, d'hygiène, de sécurité. Les salariés disent travailler dans des conditions sanitaires dégradées et subir des pressions et menaces de la direction. Pour sa part, l'entreprise ne communique pas. Une rencontre est prévue cet après-midi entre les représentants du personnel et la direction. Les grévistes espèrent une sortie de crise au plus vite. On vous en parlait dans l'édition précédente, l'agrandissement de l'aéroport Paul Caraïbes, et ce grâce à un prêt de la Banque européenne d'investissement. Eh bien, l'organisme a profité de sa visite en Guadeloupe pour signer d'autres conventions, notamment avec le Crédit Agricole pour un prêt de 30 millions d'euros. Objectif, permettre à la banque d'accorder plus facilement des prêts à certaines PME, celles qui ont été affectées par l'ouragan Maria en Guadeloupe et en Martinique. On écoute tout de suite Ambroise Fayolle, le vice-président de la BEI. C'est une opération que l'Europe souhaite soutenir en solidarité à ces deux régions et aussi au fait que les régions ultra-périphériques sont une grande priorité européenne. Les liens, ils sont historiques. En réalité, on a depuis longtemps une relation entre l'Europe et la région Guadeloupe, notamment le fait que le FEDER permet des financements très importants dans cette région. Et là, on a contribué à renforcer ces liens par deux projets, donc celui de financement de prêts pour les PME de cette région Guadeloupe, et aussi nous avons signé un prêt en faveur de l'aménagement de l'aéroport de Pointe-à-Pitre, et cela nous pensons va permettre le développement de l'île et donc contribuer à améliorer la situation économique de la Guadeloupe. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Une soirée qui avait mal tourné et abouti à la mort de Silvio Sorai. L'affaire est examinée devant les assises de Basse-Terre. Une pétition a été lancée hier soir par les Gilets jaunes de Guadeloupe. Nous avons écouté l'une d'entre eux. Et enfin, la colère des salariés de Sicoa. Ils dénoncent des locaux insalubres et des conditions de travail dégradées. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.